Hello, c'est encore moi. Bon, j'ai cette énorme colis à vous ouvrir, qui n'est pas pour me déplaire, hein. Alors, ce colis, de toute évidence, vient de chez Shein. Voilà. Partenariat. Ça fait 2-3 jours qu'il est à la maison, et là, je me suis dit, faut que je l'ouvre. Je sais ce qu'il y a dedans. Mais je prenais pas le temps. Voilà, je prenais pas le temps de m'ouvrir. Et je me suis dit, il faut quand même que je l'ouvre. Voilà. Hop. Il y a plein de choses au top. Oh là là. Oh là 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 là. Vous voyez pas. Donc, je vais vous. Alors, je vais vous. Là, j'ai pris une petite recharge de téléphone. Comme d'habitude, je vous mets toutes les captures d'écran du site. Voilà, parce que les prix, je ne les connais pas par cœur. Et là, c'est une petite capture d'écran pour. Une petite capture d'écran. Un petit cordon pour recharger les téléphones. Voilà. Tout rose. Celui-là, il va rester dans ma scrap room. Voilà, petit cordon. Moi, c'est un Samsung, donc c'est un petit cordon comme ça. Ouh. Ensuite, il y a plein de trucs trop top. Là, c'était un thème électronique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mamie avait commandé au Père Noël un radio réveil, un réveil. Et je lui ai dit, c'est pas la peine que tu commandes ça au Père Noël, puisque moi je vais pouvoir t'en avoir un. Voilà. Normalement, ici, vous voyez, il projette l'heure au plafond. Ça se recharge. Ben, comme d'habitude, hein, vous voyez, il faut acheter l'adaptateur. Ça se recharge normalement quelque part. Voilà, tac. Et quand vous allez l'allumer, là, il y a un petit film protecteur. Voilà, hop, et vous aurez l'heure. Voilà, c'est un réveil en fait. Voilà, c'est un réveil. Vous aurez l'heure qui va s'afficher ici. Et ici, hop, ça, hop, vous voyez pas, pardon, je suis trop près, vous voyez rien. Qui s'affiche ici. Et là, ça va s'afficher au plafond ou sur le mur. Enfin, ça dépendra où elle le dirigera. Vous voyez? Là. Vous pouvez le diriger comme vous voulez, si vous voulez sur le mur d'en face, si vous voulez au plafond, vous le dirigez dans le sens que vous voulez. Et derrière, vous avez tous les petits boutons pour régler l'alarme, l'heure, etc. Donc, voilà, ça c'est pour mamie. Voilà. Je le remets correctement, quand même. Ah bah oui, mais comme j'ai branché, hop, j'enlève. Donc déjà deux choses utiles. Alors la lumière est un petit peu bizarre, mais c'est mon abat-jour qui fait ça. La brioche. Ensuite, je pioche ça. Ah, enfin, je vais avoir. Oh bah tiens, une Snowy qui sort du carton. C'est pour faire mousser le lait. Depuis le temps que j'ai envie d'essayer. En plus, là, vous avez le récipient pour bien faire mousser juste dans le. Ou pour le poser, tout simplement. Hein. Mais je ne sais pas si ça marche à pile ou s'il y a un cordon. Il y en a plein, plein, plein sur. Bon. Faut que je mette certainement une pile ou je ne sais pas. Enfin, je vais étudier le. Étudier la bête. Ouais, faut mettre des piles. Il faut ouvrir là. Ah bah si, voilà. Bah, faut mettre deux piles ici. Bah, ça tombe bien. Je viens de recharger des piles. Ça tombe très très bien. Donc quand elles seront bien rechargées, parce que là, je sais pas. Je vais essayer. Attendez.
m'étonne. Ah, ben j'arrive pas à l'attraper. Ah. Et deux. Voilà, j'ai été chercher mes petites piles. Et je pense que c'est... Ah, attendez. Je ne vois pas très bien. J'ai l'impression qu'en bas, c'est que des ressorts. Bon. Je vais voir. Si c'est pas ça, on modifiera. Bon, c'est pas ça. Dans l'autre sens, peut-être. Ah, bien. Ce n'est pas ça non plus. Une à l'endroit et une à l'envers. Ben alors, garçon, tu veux pas marcher? Ah, ça y est. Voilà. Hop. Ben alors? Faudra que je teste. Ben, tu marches tout seul. Faudra que je teste. Je vais enlever les piles pour le moment. Faudra tester ça ensemble. Un petit cappuccino. Puis c'est bien parce qu'en fait, on peut le poser et puis ça reste. Ouais, ça reste posé comme ça. Ça, c'est bien. Bon, je le couche quand même pour pas le faire tomber, pour pas le casser. Parce que je suis tellement maladroite. Ensuite. Ouh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. J'ai l'impression d'avoir acheté quelque chose dans un grand salon de thé. Alors, je vais essayer de couper délicatement. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je m'en rappelle plus. Ah oui, ça y est, je me souviens. Alors, oh, il y a même la cuillère. C'est quelque chose que l'on peut brancher à l'ordinateur qui vous maintient votre café au chaud, ou votre thé, ou votre chocolat, ou ce que vous, ou votre soupe. Hein. Voilà, vous avez la tasse. Ah, elle ne veut pas sortir. Voilà. Et la sous-tasse. Ah non, c'est pas la sous-tasse. Ah, c'est trop joli. Lucky. En plus, en vert, là, ça va très très bien dans mon salon. Hop. Vous avez, vous voyez, le petit trou là pour faire sortir la cuillère. Comme ça, ça garde au chaud, ça garde au chaud. Hop, ça garde au chaud, ça garde au chaud. Voilà. Hop, hop. Et ça, vous le branchez à côté de vous et vous le mettez dessus et ça vous garde au chaud votre boisson chaude. Voilà, parce que ça, franchement, moi ça refroidit hyper vite mes boissons chaudes, hein. Ah, c'est trop sympa ça. J'ai bien peur qu'il y en ait une qui me le pique. J'ai bien peur que ça parte à Angoulême. Mais on verra bien, on verra bien. Bref, c'est chouette, hein. Enfin, vraiment, pour faire un petit cadeau original, je trouve que c'est franchement, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très sympa. Pour rester dans le domaine tasse, boisson chaude, etc., je viens de faire tomber les piles. Je vais la faire tomber. Allez, hop, je vais la poser ici. Là, c'est spécial pour faire les soupes chinoises. Multifonction pour faire, vous savez, les nouilles chinoises. Il fait un petit bol, il est trop beau. Je
Vous mettez vos nouilles, vos l'eau et tout. Est-ce que ça, c'est fait pour tenir là? Je sais pas. Non, ça, c'est pour... Ça, c'est pour mettre votre cuillère sur le dessus. Voilà, vous faites votre petite popote, là. Hop, vous fermez. Et votre petit bol. Oh, j'adore. Avec la poignée en bois, là, comme ça. Ah, c'est trop. Franchement, j'aime beaucoup. Vous pouvez poser votre cuillère là. Oh, j'aime bien. Ouais, c'est pas... C'est simple, hein. C'est juste un truc tout blanc. Voilà, pour faire des nouilles chinoises. Rien de folichon. Et... Attendez, j'ai tiré là-dessus. Fallait peut-être pas. Et hop. Puis elle a un truc en métal là. C'est bien parce que ça, à mon avis, ça ne doit pas tacher. Des fois, il y a des épices et tout qui tachent. Donc, du coup, c'est pas très pratique. Ensuite, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Warm Air Blower. Je ne me souviens plus. Non, parce que souvent, je fais des énormes paniers. Et je mets, je remets, j'enlève. Alors. Ah, c'est un tout petit radiateur. Oui, je me souviens maintenant. Attendez, je vais le brancher là, on va voir. Alors là, c'est bien parce que c'est une vraie prise, vous voyez. Des fois, c'est warm air. Alors, attendez. Des fois, pour mettre dans ma pièce, vous savez, il fait pas trop chaud dans ma pièce. Ah, mais là, vous n'allez rien voir. Bon, attendez. Je le branche. Ah, faut qu'il reste. Ouais. Ah oui, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Oh, c'est trop bien, il est tout petit, c'est trop, trop bien. Oui, vraiment, vraiment, ça chauffe, hein. Bon, il n'y a pas de... On peut pas, il n'y a pas de puissance. Ah, on peut le diriger par contre. Pourquoi tu marches pas? Peut-être parce qu'il y a la nappe. Faut qu'il ait accès au sol, je pense. Ah ouais, voilà, faut qu'il soit sur un socle dur. Et ben franchement, trop bien. Je vais l'arrêter. Et les petits, les tout petits comme ça. Ah, trop bien. Très bon choix, Coco. Très bon choix. dans la barre d'infos, je vais vous mettre le code promo, etc. Je vous... bah, une deuxième comme ça. J'en ai pris deux des comme ça. Pour ne rappeler plus. Attendez, je vais remettre ma nappe. Je vais prendre ma paire de ciseaux. J'essaie de deviner dedans. Mais oui, qui fait bouger le... Ah bah oui, bah j'en ai pris une deuxième. J'avais pas fait gaffe, bah du coup la rose elle restera chez moi, hein. La verte on verra, mais lucky. Ah bah oui, bah, j'avais pas fait, bah, j'en ai pris deux, j'ai pas dû faire gaffe. Bon, c'est pas grave, elle est très jolie en rose, hein. Ah bah ça, on est dans ma scrap room, c'est parfait, vous voyez, c'est joli, hein. Comme ça va me garder ma boisson au chaud. Et ensuite,
le clou du spectacle. Attention les yeux, mesdames et messieurs. Alors ça, je vais poser ça dans la cuisine pour pas les faire tomber, pour pas les bousculer surtout. Voilà. J'aurai besoin d'un petit peu de place. Ça et ça et ça. Bon bah la place. Ouais, je vais quand même décaler ça. Et ça, je vais le mettre par terre. Bim. J'ai voulu tester. Alors, j'ai jamais vraiment eu l'intention d'en acheter une. Mais à force de voir les cousines qui en ont, etc., je me suis dit que ça serait bien quand même d'en avoir une. Et de quoi s'agit-il? D'une air fryer. Oui, oui, oui. Bah, j'ai voulu tester. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on va regarder déjà comment elle est. Je ne connais absolument pas le fonctionnement. Il va falloir que je me renseigne. Est-ce qu'il faut mettre quand même un petit peu d'huile? Est-ce qu'on n'en met pas du tout? Je ne sais pas du tout. Vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui me disent que c'est top et tout. Mais j'en ai pas demandé plus. Alors, aujourd'hui c'est le Père Noël qui vient de passer. Hein. C'est franchement. Merci Chine de votre confiance parce que c'est un très très beau partenariat. Hein. J'en suis consciente. Alors, à quoi tu ressembles? Elle est belle, en plus elle est toute blanche. Alors ça, ça va aller là. Waouh, elle est belle. Waouh, elle est belle. Waouh, elle est belle. Ça c'est protégé. Voilà. Va falloir. Ah, c'est statique. Moi, j'adore. Alors, je n'y connais, je vous ai dit absolument rien. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ouf, c'est une prise française. Regardez, elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, elle n'est pas excessivement grande. Et ça, ça s'ouvre. Je ne sais pas. Avant de faire des bêtises, regarde la notice. Hein. Capacité de la cuve, je ne sais pas combien de litres elle fait. Mmh. Alors, il va y avoir un petit. J'espère que je fais pas des bêtises. Ah, j'avais peut-être pas bien mis en face. Alors, électrique one fryer. Start. Température. Timer. Et en français, il n'y a pas. Bon, je pourrais toujours faire la traduction, mais tout est expliqué en anglais. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai entendu? Non, il va falloir que j'aille me renseigner. Dry apple. Slice to apple into the thing. Il faut mettre de l'huile quand même ou pas? Alors j'en sais rien.
Bon, attendez, je vais chercher ma rallonge, parce que ça va être trop... Ouais, c'est trop court, là. Bon, on va aller dans la cuisine. Ouais, on va aller brancher ça dans la cuisine. Donc, c'est mieux dans la cuisine. On va se brancher. Alors, attendez, je vais mettre comme ça, que vous voyez en face. Ah, ça s'allume. Attendez, je vais vous montrer. Ça s'est allumé au-dessus. Ouh, chips, viande, noix, gâteau. Ok. Température, le temps. Ah oui, d'accord. Ok. Mais on met pas d'huile nulle part. Je pensais qu'on en mettait un petit peu. Alors les copines, si vous passez par là, s'il vous plaît, si vous avez cet appareil ou même genre d'appareil, vous pouvez m'expliquer en français ce que ça donne. De près, je suis vraiment très moche. Allez, on se recule un peu. Hein. Bim, hop, ça s'éteint. Ok. Les frites, c'est 35 à 45 minutes. Non, ça va, ça chauffe pas. Je suis contente, j'ai mon joujou, mais je ne sais pas m'en servir. Donc, je vais me renseigner, peut-être en tapant sur YouTube, mode d'emploi air fryer, peut-être. Allez, bah, je vous laisse. En tout cas, merci Achine. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ça peut être des idées cadeaux, des petits cadeaux en retard. Voilà, oh mince. En plus, celle-là, elle était vraiment pas chère. Enfin, je ne sais pas en temps normal combien ça coûte, mais je trouvais qu'elle était vraiment pas chère. Voilà, je vous mets tous les liens, tout ce qu'il faut, etc. Et patati et patata, pour que vous puissiez vous y retrouver. Comme ça, vous avez les promos en cours, mon code promo également. Enfin bon, c'est tout dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis aller voir ce qu'ils proposent. Parce que quand on fouille sur le site, on va de découverte en découverte et on trouve des trucs plutôt sympas. Voilà, je vous fais des... Et puis la livraison, elle est quand même très très rapide. Hein. En une semaine, 10 jours, c'est arrivé. Je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie de ce partenariat. Je suis ravie de ce que j'ai choisi. Là, c'est des produits que j'ai choisis. Et pourvu que ça dure et que ça continue en 2024 aussi, parce que c'est vraiment un partenariat très agréable. Il y a du pour et il y a du contre. Moi, je suis entièrement pour. Voilà. Allez, des gros bisous, à très vite.